All the leaves are brown and the sky is gray. Vous êtes en plein préparatif finalement? Oui, tout à fait. Alors, comment, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière, puisque je crois que vous avez pris une carte de fidélité pratiquement ici. On a pris une carte de fidélité. C'est notre troisième salon du chocolat. Qu'est-ce qui va changer? Encore plus de robes de chocolat et encore plus d'élèves qui nous font des belles coiffures et des beaux maquillages. Voilà. Alors, oui, d'abord, il y a un temps de travail, c'est sur la coiffure avant l'habillage finalement. Coiffure et maquillage avant l'habillage. Les élèves sont là depuis 8 heures ce matin et on fait des répétitions et des répétitions pour en arriver à effectivement créer de si belles coiffures et de si beaux maquillages. Alors, on peut peut-être rappeler quelle école êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez aux élèves? Oui, donc c'est l'école coiffure et esthétique Gaspard. Donc nous sommes situés 9 rue Ozone, à côté de la gare, à Metz. Et l'école existe depuis 40 ans cette année. Et vous proposez une formation? Des formations diplômantes qui préparent au CAP esthétique et coiffure, également les brevets professionnels esthétique et coiffure et le bac pro esthétique. Et c'est un métier où on trouve des débouchés, il y a du travail encore pour ceux qui bossent. C'est un métier effectivement qui apporte de nombreux débouchés puisqu'il y a plusieurs filières que l'on peut adopter aussi bien dans l'esthétique que dans la coiffure. Ensuite Manon Colombier, la jeune dame est habillée derrière Caron. Et là vous savez plus parce que ça va. Ensuite, c'est qui comme Manon ouais. Je te dirai, d'accord. Tu passes derrière celle qui sont en froid avec la table ou pas avec les oiseaux. D'accord. Ensuite. Écoutez, hein. Let me go so I can find myself again. I need that. Bah en fait tous les fous ils sont à leur temps, c'est ça le problème. C'est bien d'être pratiqué finalement. Ah c'est très très bien ouais. Bon, faut juste que certains yeux ne voient pas que je suis là quoi, après ça pose des problèmes. Alors avec quel modèle vous allez défiler? Bah là j'ai l'impression que j'ai devoir défiler avec toutes parce qu'il n'y a aucun autre chocolatier, mais sinon mon modèle est ici. Ah il est ici. Bonjour modèle. Bonjour. Comment vous appelez? Charline. Alors vous, c'est la première fois que vous défilez avec une robe en chocolat? Oui, c'est la première fois. Et quelle sensation? Bah c'est spécial, hein. On a peur de la casser, c'est froid, mais c'est super agréable aussi, c'est un bon, c'est quelque chose, une bonne expérience. Vous aimez le chocolat? Oui, oui, oui. Donc, voilà, tout va bien, mais on n'a pas le droit de le manger celui-là. C'est le seul truc, voilà. C'est ça le truc, mec, c'est qu'on n'a pas le droit de les manger. Ouais. On les mangerait bien à la fin des 4 jours, mais on n'a pas le droit. Around me, teardrops.
like showers, there's nothing I can see. Lying awake for hours, time stands still around me. Teardrops feel like showers, I thought I was free. Lying awake for hours, with Jesse broken flowers. Teardrops feel like showers, there's nothing I can see. Lying awake for hours, time stands still around me. Teardrops feel like showers, I thought I was free. Lying awake for hours, with Jesse broken flowers. Safe and warm.